m'appelle Anastasia de Sunerski, je viens de Grenoble et je suis bénévole pour le chantier à Briec. Soy Ariano Ionarte, vengo de España, de Catalunya. Je m'appelle Arthur, je viens de Belgique. Je suis Aurélie Dao, adjointe au maire à la mairie de Briec, à l'environnement, au cadre de vie et à la citoyenneté. Je m'appelle Camille Bailly, je suis responsable régional à Concordia Bretagne. Mi chiamo Daniele Boes, ho 17 anni e vivo attualmente in Italia, più precisamente a Padova. Je m'appelle Elise et je viens d'Angers. Je m'appelle Goy Seder, j'ai 26 ans. Je suis éducatrice spécialisée, je viens du Pays Basque. Et je suis ici en tant qu'animatrice vie de groupe sur le chantier, donc du coup Concordia. Je m'appelle Guillaume, j'ai 23 ans et je viens de Chambéry. Je suis l'assistante technique nationale de l'association Concordia. Hola, me llamo Inés Escribano, soy de Barcelona. Ahoj, jmenuji se Krištof. Pocházím z České republiky, z Prahy. Ciao a tutti, sono Lorenzo, sono un ragazzo italiano, vengo da Padova. Moi c'est Maud, je suis bretonne et j'ai bientôt 24 ans. Donc, je suis en service civique à Concordia. Je m'appelle Mohamed, je viens de Vitry-sur-Seine, j'ai 18 ans. Je m'appelle Maxime, j'ai 19 ans, je vis en Picardie. Moi c'est Pauline, je suis animatrice technique ici, bénévole. Sur le chantier, je viens du Béarn. Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy kosa kosí, když ti květy dívka k nosu nosí, když ti rosy kapku dává pít, jak snadné žít, snadné žít. Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti země zrno dává, když ti zemi v zrno obdělává. Il y a du boulot, vous vouliez du boulot, vous en avez. Alors, il faut faire un grand pas. Il ne faut pas trop s'approcher du boulot. Tadam ! Voici le lac. Oui, t'aimes bien, mais... Voilà, c'est ça. You can see the lake from here. Oui, mais... Ben, moi je trouve que c'est chouette parce qu'on va pouvoir faire plein de trucs et rendre cet espace propre. Et ça va être très sympa après. Parce qu'un projet comme ça, ça t'as pas 10 000 étapes, tu vois. Ouais, ouais. Alors, non, mais ce qu'ils veulent faire. Ok, voilà, déjà c'est ça, il y a des passerelles. For us to come, they cleaned the lake and they told me that they found really creepy things. And when we asked
which kind of creepy things. I think she repeats 3 times creepy, really creepy things. Donc bienvenue à Briec, nous sommes très fiers de vous accueillir. C'est la première fois que nous recevons un chantier international et c'est une très bonne chose. L'avantage des chantiers internationaux, c'est que ce sont des gens qui viennent de l'Europe entière, des jeunes. Je voulais vraiment remercier aussi l'association Concordia, qui a un joli nom parce que c'est vrai que c'est une association qui a été créée après-guerre, encore une fois, pour pouvoir faire en sorte d'avoir un lien entre les différents jeunes et les différents pays européens. Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jolaz lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
m'appelle Chloé, j'ai 17 ans. Et du coup, moi, je vis sur la commune de Briec. Donc ici, c'est chez moi. Mes parents m'en avaient parlé. Et ils m'avaient expliqué que du coup, c'était une sorte de chantier, qu'il y aurait plein de gens d'étrangers et tout. Et qu'ils recherchaient du monde pour les aider. Au début, j'avoue, j'étais pas hyper emballée par l'idée. Et puis du coup, je suis venue à leur première réunion pour qu'ils se présentent. Et en fait, je les ai tous trouvés super sympas. J'ai très vite accroché avec eux. Et finalement, je me retrouve là après déjà 2 semaines de chantier à continuer avec eux. De farine, 1 litre de lait, 3 cuillères de sucre et des œufs bien frais, 1 noisette de beurre et 1 peu de liqueur. Tu peux tout mélanger et laisser reposer. Ça fait des crêpes, des jolies crêpes que tu peux assaisonner à volonté. Ça fait des crêpes, des jolies crêpes que tu peux assaisonner à volonté. Oh, oh, oh. Et si elles sont réussies, tu pourras ouvrir une crêpe. C'est l'équipe de la mairie qui est à l'initiative de ce chantier. Donc on a été contacté par Concordia au mois de septembre 2020. Leur projet nous intéressait, donc on a décidé de les rencontrer. Eux sont venus visiter au mois de décembre et ont été hyper emballés par le lieu. Voilà pourquoi aujourd'hui on a 11 jeunes et 3 animatrices qui sont là pour réhabiliter. C'est un chantier qui est un peu particulier parce que c'est un chantier qui est plutôt à thématique environnementale, alors qu'habituellement à Concordia on a quand même plutôt tendance à être sur des chantiers patrimoniaux. C'est aussi quelque chose de très intéressant d'essayer de changer un peu son fusil d'épaule, d'essayer d'évoluer. Ça va aussi avec le rôle de l'association, puisque le rôle de l'association, c'est de promouvoir la paix entre les peuples. Finalement, peut-être que demain, la question de l'environnement sera plus primordiale dans cette question de paix entre les peuples que ne l'est la reconstruction d'anciennes églises ou d'autres choses comme ça. Donc, c'est intéressant, c'est expérimental, on va dire. C'est ça que nous faisons ici à Briec. Nous sommes en train d'aménager toute une partie en point noir où s'est passé beaucoup de pathologies sociales. Donc on a voulu valoriser cet espace pour qu'il soit un espace que les gamins des villes vont aller conquérir, s'approprier et le profiter. So the idea is to make some beautiful space for bring the good public, the kids. So for that we will build some bridge. Today we will start to build this one. Yeah. Here. J'avais pas eu de formation avant pour travailler le bois, pour connaître les outils. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué au début pour moi. Je crois que ça m'a fait beaucoup de bien que Gustavo vienne ici, prenne du temps pendant une semaine de bien nous expliquer, d'expliquer aux volontaires aussi. So for me this bridge there, we will try to put some foundation here, cement foundation. Okay, we will build every structure with this kind of timber. For that we will use some tools.
So we have the manual tools and the electrical tools. Who needs some tools already? So you have to put a piece of wood the right way. So you use it like this. It takes more. C'est du coup de reprendre les plans de quelqu'un d'autre et de pas savoir si je dois trop m'adapter ou vraiment suivre ce qui était prévu. Et on s'est bien rendu compte qu'en fait, avec la réalité du terrain, on est obligé en fait tout le temps de s'adapter parce que le terrain il continue à vivre, à bouger et donc au final, on est obligé de s'adapter sur le moment en fait. C'est ça le but de l'éducation populaire en fait, c'est d'apprendre en faisant. C'est pas parce qu'on sait pas faire qu'on ne peut pas faire. Donc le but c'est de faire avec ce qu'on sait, avec ce qu'on a et voilà, c'est de s'entraider et de faire tous ensemble. Il y a deux animatrices techniques qui sont ici et qui aussi du coup cadrent ce qui doit être fait, la façon dont ça doit être fait, les outils qu'il faut et tout ça. Et donc du coup, entre les animatrices techniques et leur savoir tout croisé, ça marche. There's a bridge in Brooklyn someone sells every day, and a bridge that crosses over San Francisco Bay. There's a bridge that bones and famous in London town. Un chantier, c'est juste une plateforme, une excuse pour que ces gens-là qui viennent avec une idée fixée sur certaines cultures, ou même eux-mêmes, découvrent qu'en fait, ces gens-là avec qui on va partager un repas, une scie, un effort, ne sont pas comme ils pensaient. En même temps, et c'est l'objectif de l'association aussi, c'est à 50-50, une partie c'est justement travailler sur la promotion de la paix et la tolérance, mais aussi, et ça fait partie de l'origine de l'association, c'est aider aux petites communes à restaurer et à préserver leur patrimoine. C'est les deux choses. Thank you.
Ça a été le gâteau, le Queen Yaman, c'est ça. La plupart des gens viennent parce qu'ils ont envie d'aider les autres ou est-ce qu'ils ont, ils ont envie de, d'être utiles en fait. Et donc du coup par un chantier de bénévoles, chantier participatif, du coup la personne aide du coup la commune ou aide un projet à naître. Je pense que c'est ça le but principal de la venue des gens. Il y a aussi le fait de rencontrer d'autres personnes et surtout des personnes de nationalités différentes. So it's an amazing experience because I meet some persons that I couldn't meet in my country. Yeah, it's the first time I'm doing this kind of job, but it's not that difficult. You have always like a person that is telling you how to do it, but you still have the choice to create what you want, and I like it. Je me doutais que ça va être une super expérience sociale et de rencontrer plein de gens, de vivre avec des nouvelles personnes, encore plus du fait qu'elles viennent de l'étranger. Donc c'est vraiment quelque chose de, ouais, que j'aime beaucoup. Bah, je ne savais pas vraiment quoi faire pendant les vacances. Ce chantier avait l'air d'être le plus loin de ma zone confort. Je pensais que ça serait le plus exotique, aventureux. I chose to come to Brieg because a friend told me about this work camp and I wanted to give it a try because it's a new experience and I wanted to do memories with new people. Je pourrais dire que j'ai fait un chantier d'art international, quoi, et savoir de quoi ça parle et enfin ça fait une ouverture d'esprit aussi par rapport à d'autres pays, d'autres langues, d'autres aspects, d'autres visions du travail et de la vie en communauté, quoi. J'avais déjà fait un chantier l'année dernière qui s'était, on va dire, pas trop mal passé. Et donc cette année, je suis revenue et j'étais un peu perplexe en me disant oui, je sais pas si je vais être avec des enfants ou des adultes. Et donc au final, ça s'est super bien passé, j'ai été super bien accueillie et sincèrement, j'ai bien envie de rester. I like meeting and knowing different languages, cultures. So I came here expecting to learn a lot, and what I found is a lot of growth and learning opportunities for me. Le principe de l'éducation populaire, du coup, on apprend avec les autres et on grandit ensemble, quoi. C'est l'éducation pour tous, avec tous, à tous les âges, que soit qu'on ait 17 ans ou jusqu'à 29 ans.
Et pendant les études, on n'a pas forcément l'occasion de faire par soi-même. C'est beaucoup dans la théorie, dans l'imagination, dans la création de projets, et peu dans la réalisation de projets, en fait. Et ça, ça a un côté chouette de concrétiser, en fait, les plans, les idées. Des fois, en fait, je pense qu'on apprend en même temps qu'eux, et on apprend de nos erreurs qu'on fait en début de semaine, à la fin de la semaine, on les fait plus. Je pense que le plus important à retenir, c'est qu'eux aussi en tirent une leçon, qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils soient fiers de leur travail. J'aime bien travailler avec mes mains, j'aime bien faire de l'exercice physique. Je trouve que c'est très reposant, ça défoule bien, etc. Puis je suis avec un groupe de jeunes, c'est assez amusant. Je pense qu'il y a pas mal d'entre nous qui ont été attirés par ce côté manuel, donc des chantiers, c'est-à-dire travailler le bois, construire des ponts. Oui, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'avais besoin de sortir de ma zone de confort et je n'avais pas grand-chose à faire et je voulais avoir une expérience en plus. Par exemple, Chloé, elle n'était pas censée venir. Et là voilà, elle vient tous les jours. Il y a deux petits aussi qui nous ont vus un jour, ils ont posé la question, ils ont trouvé ça chouette. Et maintenant, ils sont contents parce qu'ils vont avoir des ponts, des passerelles. Donc maintenant, ils sont notre testeur. On les fait passer pour le truc pour voir si ça leur plaît. Ils sont en train d'adapter. Alors, on prend leur avis, leurs conseils. J'étais pas hyper travaux manuels, ça me dérangeait pas. Mais c'est vrai que tant qu'on me demandait pas, je sais pas. Et là, j'aime bien parce que du coup, en plus, ils sont tous gentils, c'est-à-dire que même quand je fais des bêtises, ils disent rien. Ils m'aident, enfin, j'apprends à manier une scie qui n'était pas hyper fort pour moi. Mais c'est vrai qu'ils sont tous super sympas, donc du coup, ça donne envie de revenir même si on ne sait pas le faire, quoi. Voilà, moi, ça m'aide un peu aussi à apprendre à bricoler le bois parce que j'aime bien bricoler, mais je suis très maladroit. Et ici, on s'entraîne un peu à faire des choses correctes, à prendre le temps surtout de le faire. Et j'aime beaucoup voir l'évolution du chantier et voir que tout le monde met la main à la pâte et s'entraide et on arrive à faire des choses avec plein de cerveau, ça marche beaucoup mieux. Participer à un truc où on s'apporte mutuellement et même au-delà du geste altruiste, je pense que c'est aussi on le fait aussi pour soi et pour vivre autre chose. Ça nous apportera forcément quelque chose personnellement. Bah, alors j'ai de la chance d'être en vacances, donc d'avoir les filles à la maison, et puis je trouve que c'est important de leur montrer que la collaboration, ça fait partie de la vie de tous les jours, et puis ça permet d'avoir des moments vraiment très sympathiques. Don't listen to a word I say.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette journée des portes ouvertes du chantier de Briec. C'est l'occasion un peu de vous présenter un peu tout le travail qui a été effectué par les animatrices, les volontaires, les habitants aussi de Briec qui ont travaillé sur ce chantier. On arrive au terme des 3 semaines de chantier international de Briec, donc je pense qu'ils sont très fiers, enfin, en tout cas moi je suis très fière du travail qu'ils ont fait. J'espère que vous allez pouvoir apprécier aussi le tour du lac de Briec, puisque du coup ça y est, il a son petit nom, donc il s'appelle le lac caché. Donc voilà, donc ils ont construit 4 ponts. Donc il y a eu un gros travail de désherbage également. On a sorti beaucoup d'arbres du lac, beaucoup d'arbres qui étaient tombés, donc ça c'était un gros chantier. Les ponts ont parfois résisté, vous verrez, ils ont tous un petit nom. Et puis ils pourront vous expliquer la signification des petits noms. En tout cas, moi je tiens vraiment à les remercier très sincèrement. Bravo, 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 bravo. Bravo. C'est bon? Je peux couper? Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison? Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit. Tu reviens par là, tu verras la rivière. Et j'ai refait en pierre le petit pont de bois. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Ta-di-di-di-dam, pour aller nulle part. Et pourtant j'en suis fier. Aimez-vous, aimez-vous, soyez tolérants, soyez ouverts. Faudrait commencer un petit peu à faire gaffe aux ressources qu'on a parce que je pense qu'on va un peu droit dans le mur, les gars. Voilà. Vive les gens. Non, je crois à la gentillesse des gens. Et du coup, vive les gens, je sais pas. Si on vous propose de partir comme ça dans un chantier ou découvrir quelque chose, quelqu'un, un lieu, je pense qu'il faut accepter. Et il faut toujours être d'accord et enjoué de pouvoir faire ces choses-là et jamais rater l'occasion. Faites des chantiers Concordia et amusez-vous comme vous voulez. If you can do a thing that maybe another day you can't do it now to enjoy all the moments. Alors mon message, c'est plutôt adressé surtout aux jeunes, peut-être qui savent pas quoi faire dans leur vie, qui passent leurs vacances à un peu traîner, comme moi je l'ai fait beaucoup. C'est bien de s'investir un petit peu, mais ça peut être au quotidien de faire des petites choses. Je pense qu'il faut rester toujours avoir à essayer de tester et à se dire si on a des a priori, on est par exemple arrêté sur une idée, bah tester quand même et se dire que peut-être que ça va changer. Un message, ouais. Respectez-vous. Je pense que c'est la base, le respect. Se respecter, respecter les opinions. Personal message. I hope everything goes well for you all and your lives are great and you live happily. None for the rich people farming in America, ain't that a bummer? Do WordCamps, they're amazing. It's a way to use your free time in a useful way. C'est une expérience vraiment très enrichissante que j'encourage, pas forcément à travers Concordia, il y a d'autres moyens. Je pense que faire du bénévolat, c'est quelque chose à faire, mais pas nécessairement à refaire, mais au moins à faire pour avoir plus qu'un a priori sur la question. Et...